côté, il parle d'une mahala, et de l'autre côté, il parle du quoi? Vaïbat, Ishurun, Vaïbat. Il dit le Rav, Neymar, Vaishman, Ishurun, Veyoter, Hashem, Itkabel, Omar, Vishman, Yaakov, Shiva, Madrega, Akhtana. Quand Yaakov, il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait, il n'est pas arrivé à Zé Yaakov. Quand Yaakov, il n'a pas réussi à passer une étape, alors c'est que Yaakov. C'est encore que le premier niveau. Au niveau, après, quand il est passé à Israël, en tant qu'Israël, s'il avait fait quelque chose qui n'était pas à sa place, alors tout de suite, la Torah aurait fait un... Comment Israël? Et là, on est arrivé à un niveau de Yeshurun, c'est-à-dire Yashrut, de droiture. On arrivait à quelque chose que on n'arrive pas à comprendre, une proximité avec le divin. Malgré toutes ces proximités, malgré l'amour qu'il nous a dévoilé, Vayibat. Et donc, la Torah, elle avait besoin de nous le dire. Pourquoi? Pour nous montrer comment aussi loin et aussi haut, on peut venir frapper du pied. Nous le rappeler tous les jours, elle nous le rappelle tous les jours dans la Tfila, dans l'Ectoret, comment on peut être aussi proche du divin, Sefer Hazinu, Pasuk Tetvav, Vaishman, il apprend, il a grossi, il a été, il a mangé, il a Vaibat, il a donné un coup de pied au divin. Ce qu'il dit le Rav. De là, il y a fait Talmud Torah une derechesh et Yad Shneim miskachat avon vechol Torah sheni mamela chasofat velat velgoret avon shikol shavar ayakach ilu alo yadam lo Torah velo melacha. Il dit, vous savez pourquoi? Il a Perkei Avot, il dit, de l'étudier la Torah sans travailler, ça peut pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que comme tu vois pas, t'as pas les yeux pour voir la Parnassa, tu pourrais dans la Torah lui donner un coup de pied à Hachem. Le Perkei Avot qu'on n'a jamais compris. Mais si, il faut travailler, alors pourquoi il travaille pas Tamir Chacham? Tu sais pourquoi il est marqué ici? Il te dit que, puisqu'on n'est même pas capable de voir la bonté du divin, on n'est pas capable, on n'a pas les yeux assez ouverts, il y a marqué, chez un imam Melacha, celui qui étudie la Torah sans travailler, mais t'es là, qu'est-ce qui se passe? Shadavarze, cette chose-là que l'homme il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va causer? Il va paraître, il va donner un coup de pied à Hachem. Donc pourquoi le Pirkei Avot, il a fait comprendre que étudier la Torah, c'est bien, mais il te faut une parnassa. Si t'as pas de parnassa, attention. Parce que tu crois que la parnassa, après, elle vient tout seul et tu fais rien du tout. Va y battre et tu vas faire la même chose qu'ils ont fait le peuple d'Israël. Tu vas donner des coups de pied. C'est pour ça que tout celui qui est dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Shochet, Moel, Sofer, Mashkia, et tous les métiers qu'il y a dans la Torah, tous ces métiers que la Torah l'a donné, Dayan. Rav, Melamed, tous les métiers qu'il peut avoir dans la Torah. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas ta parnassa de ton travail, Vaibarat. Je ne sais pas si vous avez tous compris ce que j'ai dit, Tzadikim, Tzadkaniot. Je ne sais pas si c'était simple, chiour ce soir. Je comprends que ce n'est pas que ces métiers-là, mais tous les C'est pas métiers. que. Ce n'est pas que ces métiers-là, je crois. C'est tous les métiers à partir du moment où c'est dans. Ken, Dans le il a dit, si tu avais fait que le sans limud Torah, faire les avérot, sans prendre des choses qu'on ne peut pas reprendre, ou les... Ken, mais là il a mis l'accent sur le fait de dire, limud Torah, bli melacha, c'est l'otov. Maza melacha azot, chez l'oyavo, puisque quelqu'un qui étudierait la Torah, qui passerait que à la Torah, et qui n'a pas été chercher ça pendant ça, alors lui aussi risque d'avoir ce problème-là. Ce que tu as dit, tu as raison. Ce que tu as dit, Rabbi Michael, tu as raison. C'est ma chikatouf. Il a fait Talmud Torah, il me dit Rechez. Lama, chez Yigiach Niem. Le fait de venir aller chercher cet argent-là, comme l'autre. Pourquoi j'ai donné d'aller chercher? Parce que si tu recevais tout, tu m'aurais donné des coups de pied. On n'est pas capable de voir les tovot. On n'est pas capable de voir les tovot. Si tu avais compris en réalité, si tu réaliserais combien aujourd'hui on devrait mettre, Tzadikim, la Torah sur un plateau en or. Avodat Hashem sur un plateau en or. La première des choses que j'ai à voir dans ma tête, Torah, 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 Torah. Avodat, bien sûr, il faut travailler. La Torah en priorité. T'as étudié aujourd'hui? Non? Comment t'as pas étudié? Comment c'est possible? Tu peux passer une journée sans étudier? Comment il est possible que quelqu'un n'étudie pas la Torah de Tzadikim? T'as des choses plus importantes que la Torah? Qui est-ce qui a une question? J'arrive pas à comprendre comment un Tamir Chacham qui est dans la Torah, il peut aussi être dans le monde.
Le plus grand Yetzerara qu'il y a dans la Torah, dans le monde, c'est la Torah. Le plus grand Yetzerara, c'est marqué Kol Agadol Mechavero Yetzriyot Agadol. Plus un homme il est grand Gdusha en Tahara, plus son Yetzerara il est Gadol. Donc quelqu'un qui est dans la Torah du matin au soir, son Yetzerara il est perfide, il est fin, il est minutieux. Al-Khout Asehara, il viendra t'embêter dans les détails. Il ne vient pas te dire, tu viens, on va à la plage. Ça fait 15 ans, je suis là, je ne sais pas où aller à la plage. Ça ne m'intéresse même pas, je n'ai pas le temps. Par contre, il vient titiller la tête avec d'autres choses, fatal. Il ne va pas en parler. Tu viens, on va. Ah putain, on va boire un café, on s'assoit une terrasse là-bas. Ah, c'est la Améaretz. C'est les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Nous, on a pas le temps. On n'a pas le temps. T'as le temps ? Il faut. Il faut. Qui est-ce qui a une question sur ce qu'on a dit ce soir de Sadikim ? Vous êtes tous en forme, mais je t'abarre chez mon lad. C'est pas une question. Ok. C'est en fait une réflexion. Une réflexion. Ok. C'est un petit peu comme les parents avec les enfants. Ils veulent quelque chose. Ils veulent, je sais pas, un jean ou un livre. On n'a pas un livre, parce que le livre, on lui donne, on lui achète, sans problème. Mais par contre, il veut quelque chose. On lui dit, tu le veux, va travailler un petit peu, gagne un peu ton argent, tu auras de l'argent, et nous, après, on va te compléter. On va, au moins, comme ça, quand il va acquérir ce qu'il voulait, il va vraiment le profiter. Ok. C'est pas comme si on lui donnait, tiens, tu le veux, tu le donnes, il va le prendre, il va le garder 5 minutes. Ok. C'est pareil. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi maintenant? Ce qu'on a dit, c'est que moi, ce que j'ai demandé à travers ce shiur-là qu'on l'en fait, okay, parce que il y a certaines personnes ici, Baruch HaShem, qu'ils voient toujours les autres par rapport à notre shiur. Moi, ce que je demande, c'est est-ce que chacun de vous, aujourd'hui, il arrive à voir se situer par rapport à ce qu'on a? Où je suis, moi, par rapport à ça? Par rapport aux enfants, c'est pas shoot. Moi, par rapport à ça. Moi, par rapport à la Vodat HaShem. Moi, par rapport à la Rechaman. Moi, par rapport à la Bechira. Moi, par rapport aux épreuves et aux... Ce que le maître du monde, Mifranim. Tout ça, c'est les Mifranim. Je passe, Mifran, Mifran, Mifran. Il y en a, ils ont des Mifranim qui ne sont pas sympathiques. Il y en a qui ont des Mifranim qui sont encore moins sympathiques. Mais il l'a fait en fonction de lui. Je te donne un exemple, Sadik. Il a une patience, le monsieur en face, une patience que tu ne pourrais pas avoir, même si tu voulais, tu ne pourrais pas l'avoir. Donc le maître du monde, il a donné une épreuve en fonction de sa patience. S'il n'avait pas donné la patience... Jamais il aurait pu supporter, il serait suicidé. Donc le maître du monde, il a choisi l'épreuve en fonction. Donc il t'a donné une femme tordue, parce que tu peux la... Je parle pas de toi, hein. Tu arrives. L'autre, il vient, il lui met une droite et c'est fini, il arrête le problème. Les épreuves, tout ce qu'il a fait, le maître du monde, il est parfait. Il y a celui qui vient et qui n'a pas pris la solution du divin. Il a pris le chemin, et donc il n'a pas de patience, il n'a pas le temps, il n'est pas prêt à prendre les épreuves, il n'est pas prêt à supporter, il n'est pas prêt à souffrir, il n'est pas prêt à rien. Non, il veut tout cuit dans un plat, tout fait. De l'autre côté, on t'a demandé, mais c'est comme ça qu'on va voir Yirat Shamayim. Combien par jour tu as mis le maître du monde dans ton quotidien? Et le monsieur m'a dit, mais moi, tout ce que je fais, je le vois. Je vais au supermarché, je vais avec lui. Je vais chez le docteur, je vais avec lui. Je lui ai dit, quand tu étudies, ça dit, tu vas partout. Mais quand tu étudies? Il est parti au supermarché, il est parti au magasin, il est parti au machin, il a été partout. Mais quand tu as étudié? Parce que t'emmènes avec toi à faire les courses et le machin, c'est bien. Vous comprenez? Je vais au travail, il est avec moi. Je vais là-bas, il est avec moi. Quand tu étudies la Torah? Sur les 24 heures qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, 24 heures. Combien tu lui donnes de Torah, tzadik? Essaye de faire le calcul. Okay, Rabbi Lazar, essaye de faire le calcul. Il n'y a que le travail. Que le travail. Parnassa, parnassa, parnassa. Moi? Tu veux débrouiller tout seul? C'est marqué. Il y a deux chemins. Il y a deux. Il y a un chemin qui s'appelle Avodat Hashem, mais il y a un qui s'appelle... Vous l'avez eu dans les mots, non? Asmata, c'est qu'est-ce que tu prends? La semaine dernière, il nous a fait montrer, arrêtez de croire que tout celui qui porte un chapeau, tout celui qui vient à la synagogue, c'est tous des tzadikim qui... C'est un refuge de brigands, il l'a appelé. Tabar chez moi. Pourquoi? Comment quelqu'un, il peut donner des coups de couteau dans le dos, et après s'asseoir, après, ah, zia, chien, manger. Tu dis, oh, dis-moi, t'es sérieux? Ça te dérange pas ce que tu viens de lui faire, mais il y a 5 minutes? T'as oublié ce que t'as dit, ce que t'as fait? Et tu viens t'asseoir et tu commences à chanter? Qui quoi? Ta mémoire, elle est courte à ce point-là?
Mettez-le dans le quotidien. Tu dis avec ta femme, tu me fais, tu fermes la porte, et après tu rentres à la filade. Ça va, chérie? Non, ça va pas. Quoi, t'as oublié déjà ce que tu m'as dit il y a 5 minutes? C'est marqué dans le Rabbeinu Bechaye. T'as oublié ce que tu m'as fait il y a 5 minutes? Ce qu'il appelle ça, Rabbeinu Bechaye, un repère des brigands. Ken Arav Khamouche. C'était un grand plaisir de voir ta femme avec nous ce soir, Ishtabar Shemo. Tu l'as pas tiré par les cheveux, j'espère. Tu l'as fait par amour. Chacham. Avec sagesse, avec rochma. C'est comme ça, tu lui achètes un cadeau. Tu lui dis, Ken. Ça va, regarde comment elle est heureuse. Ça marche. Elle va dire, t'as entendu le Rav? Tu lui achètes un cadeau. Tu lui... Pour se passer comme ça. Tu achètes un cadeau, tu l'apportes. C'est comme ça. Elle va te mettre sur un plateau. Elle va te dire, chérie, je viens avec toi, tu vas voir. Qui est-ce qui a une question, Sadikim? Ken, on a le temps pour dormir, Sadikim. Une fois qu'on va dormir, on va être... on aura des Oscars. Ils sont en train de faire la distribution des Oscars. Bon, appelle-le Escar, Oscar, Mazé. Comme c'est marqué. Ken, il te donne la femme, il te donne les enfants, il te donne le boulot. Il te donne la sope, il te donne le remède, il te... tout. Mais il y a des intermédiaires, des Msaï. C'est à toi de prendre les prêts. Aval Zematana ? Oui. C'est à Matana. Il t'a dit, il va aller falloir les chercher. Ils sont là, ils sont préparés. La soupe, elle est là, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Prends la cuillère et ramène-la à ta bouche. Kilou, Akol Mouchan Barolam, Tarchov. Et pourquoi c'est mes soubards ? Pourquoi ils sont en train de... Pourquoi ils n'arrivent pas ? L'homme a menin. Bon, au début, je croyais que ce Msaï, c'était pas quelque chose de bien. Donc, mais là, j'ai... Maintenant, ma pas question... quelque chose de bien. Non, au début, avant de... Avec vos explications, je pensais qu'un intermédiaire, c'est parce qu'il y a une coupure, c'était pas quelque chose de positif, si on veut dire. Mais maintenant, ma question, c'est comment savoir par rapport à celui qui a tout, donc qui n'a pas d'intermédiaire, et celui qui n'a rien... Mal compris. Non. Il n'a pas d'intermédiaire. Celui qui a tout, pourquoi il n'aurait pas d'intermédiaire? Il a tout. Ben pour avoir tout, il est passé par certaines choses. Mais il a tout. Quel, mais le fait d'avoir tout, il les a acquis par des intermédiaires. Oui, mais il c'est a lui tout qui va, avec ses intermédiaires, va, les deux. Là. C'est lui qui va laisser Akadosh Baruch Hu derrière. Ah, tu parles de celui qui a mis Akadosh Baruch Hu. Donc il ne s'est pas servi de ce chemin-là, il a pris l'autre chemin. Mais lui, il a tout. C'est de l'onikra avodat Hashem. Comment savoir entre celui-là et celui qui n'a rien? Parce que celui qui n'a rien, on peut dire aussi que Hachem, pour lui, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il lui donne pas. Quel métier? Est-ce que au début du shiur, t'as compris ce que j'avais dit? Oui, j'ai dit avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour que j'ai pour tout le monde. Quel, ça se voit pas. Mais j'ai dit comme ça que il y a des questions qui me servent à rien. Il y a des questions qui m'amèneront rien, qui me feront rien changer, qui m'emporteront rien. Pourquoi? Nous, je t'explique. Je t'explique ce que tu dis. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce que toi tu saches. Ce qui est important, c'est que tu saches toi où tu es. Ce qui est important, c'est pas de savoir pourquoi lui ou l'autre. Ce qui m'est important, ce que j'ai dit tout à l'heure avec Hatzadik, je lui ai dit, ce chiot-là, oui, j'ai compris avec les enfants. Okay. Combien de bêtises on a fait avec les enfants? Combien de parents ils souffrent? Combien de parents ils pleurent? Combien de parents... Philosophés, on est tous les des philosophes, un plus que l'autre. T'as des intérêts, tes mecs, ils peuvent écrire des livres sur papier de... Regardez ces preuves qu'il y a dans les maisons, Hatzadik. Regarde les épreuves qu'il y a dans les maisons. Le monde, on est dans lequel. C'est pas Adra qu'il met. Viens qu'on parle et qu'on parle. C'est concret. Concret, c'est moi, je suis sorti de ce chiot. Toi, qu'est-ce que toi, t'as pris pour toi? Les autres, ils m'intéressent pas. Qu'est-ce qui m'intéresse pas? C'est moi. Comment je vais passer mes épreuves? Ce qu'il a dit le maître du monde, lech lecha. Va pour toi. Il a pas dit lech. Mais... Comment on dit? Lecha, pour toi. Si t'avais demandé, va avec lui. Je te comprends que tu t'intéresses et que tu ne comprends pas et que... Aval lech lecha. Mazel lecha. Rashi. La natra le tovatra. Tu veux y arriver? Tu veux arriver dans ce mandat? Fais pour toi. Ne cherche pas à comprendre. Stop. C'est une perte de temps. Comme ça, il écrit le livre Ramchal Peri Etz Adar. Etz Raim. C'est pas shoot. Il ne m'intéresse pas. Pourquoi les rabbins ils font ça? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi les... Je ne sais... La réponse plus belle que ça, je ne sais pas et je m'en moque. Pourquoi lui fait et là il n'a pas? Pourquoi l'autre il a pas?
Je m'en moque. Et celui qui émet, il saura exactement... Et ça va, c'est bon. J'ai dit tout à l'heure avec David, il était avec moi tout à l'heure, on était en train de parler. Je lui ai dit, ça fait 14 ans, je me pique avec 5 piqûres par jour. Ils ont attendu 14 ans, il a attendu, pour me donner mon petit appareil. Mon diabète, il est descendu. Pourquoi ils n'ont pas fait avant? Dieu, il a dit, c'est maintenant. T'as compris? Je pose pas de questions. Dieu, il a dit, c'est maintenant. Non, mais pourquoi? Ça va te changer de savoir que lui et lui et lui. Toi, c'est ça le but de notre problème. C'est moi où je suis maintenant. Je lui demande à mon fils, viens à la fila, il m'écoute pas. Alors j'ai cachérisé. Oui, tu comprends, il vient de l'armée, c'est fatigant. Mets-lui un chèque, mets-lui un machin, mets-lui un truc, mets-lui une obligation pour aller à l'armée ou autre truc, il va le faire. Il manque quelque chose, ça dit Kim. Il manque le piment de la vie. C'est que t'arrives pas à être honnête avec toi-même. T'arrives pas à être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Et t'occupes. Je m'occupe de personne. Ribonon sur l'âme, plus beau que ça. Je m'occupe de personne. J'ai ma vie à prendre en main. J'ai ma femme, mes enfants. Je pense que c'est déjà pas mal comme mes fardeaux. Et de m'occuper de savoir pourquoi l'autre et l'autre et l'autre. Mais les rabbins, ils mangent partout. Et les rabbins, ils font. Et les rabbins, ils s'assoient sur la terrasse. Pourquoi vous faites pas? Ils font ce qu'ils veulent. Le rabbin, avant de rentrer ici, il m'a dit, il y a des choses que tu peux dire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Le Rav, rapido. Il y a des choses, il faut te taire. Pourquoi? L'Oyavin, il ne comprend rien. Ben oui, il est toute la journée devant la télévision. Et toute la journée dans les trucs en train de rigoler, papoter avec les gens. Et toute la journée dans la rue avec les... Il ne comprend rien. Tu lui parles des choses qui sont au-dessus de sa... Comment? Compréhension. C'est pas pour lui. Alors, c'est quoi cette réaction? Tu m'as vu, moi, en rue? Rien. Je prends ce qu'il m'a donné. Toda l'Hachem. Aujourd'hui, j'ai dit, qu'elles naissent. J'ai pris mes études, je regarde, c'est mes analyses de sang, c'est à moi, ils sont trempés. Ça fait 15 ans de ça, dit que j'ai jamais eu des analyses de sang comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il a voulu, Hachem passe une épreuve. 15 ans, j'ai fait souffrir ma femme, j'ai fait souffrir mes enfants, je suis tombé à la maison, j'ai eu combien d'épreuves? Toujours avec le sourire. Je sors de la yeshiva, je rentre à la maison, je dors. Shalom. Qu'est-ce qu'il a là voulu? Tiens, pas de bio. Il a perdu conscience. Shalom. Je suis embêté quelqu'un, je suis parti à l'hôpital combien de fois? Je suis embêté quelqu'un, je t'en ai fait souffrir, je t'ai montré que je suis là, non, ça dit que shalom, je ne peux pas shalom. Passe ton épreuve, essaye de prendre ce qu'il t'a donné, essaye de grandir avec ce qu'il t'a donné, essaye de te servir des kelim qu'il t'a donné, c'est pour toi, l'éto vatra. Donc il faut tirer la leçon de ces... Ça fait 8 ans qu'il est parti, le Rav d'ici, le Rav Gerstel. Aujourd'hui il m'appelle après 8 ans. 8 ans, il a quitté. Quel? Oh, Arav, je t'abarre chez moi. Manishma, nous, quand on fait quelque chose. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'Hachem a créé. T'entends ou pas? Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'Hachem a créé la solution avant même de créer le. C'est ça qui est triste, c'est que pourquoi l'homme, il s'obstine à s'enfermer dans ce monde-là de la parnassa comme si la solution, elle était dans le truc. Il est là, la solution. Il est là. Ça, tu l'as mis de côté. Elle n'existe pas. Alors, tu souffres. Et le problème, il est que chacun de nous, Ken, on n'est pas en train de juger, essaie de te remettre en question, de savoir où est-ce que tu as mis la Torah, tu as mis le programme du divin, où est-ce que tu as mis ce qu'on est en train d'étudier? Où est-ce qu'on a... À chacun de nous, moi tout seul. Comment? C'est pas chou ou pas? Mais c'est tellement kilou. Tu redemandes aux gens de revenir de... Comme j'ai fait un cours à Ashkelon, la bonne femme m'a regardé, la dame m'a regardé. Et la bonne femme, c'était une femme bien. C'était comme ça on dit, une bonne femme. Oui, mais c'est péjoratif. Hein. Ah oui, je te barre, j'ai mon... C'est pas ça du tout que je voulais dire. Donc, Isha Tovan, Isha Ezetraïl. Ya Rabbi, comment... Chaque mot, il est... On est beau, c'est bien. Et c'est trahi. J'ai fait un chiour, elle était comme ça, elle me regardait, je dis, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle me regarde comme ça? Elle bougeait plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, ça va? Comme ça, mais dans un kilou... Comment on dit ça, Tzadikim? Dans un état de... J'ai dit, moi, le bouche à bouche, je fais pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Tzadikim? Vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Ah. Qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'est-ce que j'ai dit? On l'a fait ensemble, Sadikim. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de me donner des forces à moi-même. Je suis en train de vous donner des forces, vous donner des kelim. Mais moi, je suis en train d'en prendre et j'arrête pas de vous le dire. Plus j'enseigne, plus je grandis et plus je l'ancre dans l'intérieur de moi. Je le fais rentrer, je le fais pénétrer. Il faut s'en persuader. D'en parler, c'est facile d'en parler. Des grands chanteurs, il y en a partout. Des rabbins qui mettent les mains dans le dos comme ça, qui tournent et font de la girouette. La Torah. Alors la dame, j'ai regardé comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a de ça, des quêtes? Vous rendez compte, Rav? Vous êtes en train de demander ni plus ni moins, écoutez bien les mots, à tous ceux qui sont dans l'assemblée, dans la synagogue là-bas, la synagogue comme ça, elle s'appelle, tunisienne, de prendre le cerveau, de le jeter et de mettre un nouveau cerveau. Hein, comment on appelle? Un reset. Pas un delete. Pas formaté, Ken. Ouais. Et là, alors je regarde, je lui dis, Ishtabar Shemo, t'as compris de sa déquête? Comment voulez-vous qu'on fasse? Je lui dis, c'est pas chaud. Commence à vivre comme une juive. Prends les livres du Raf Esraïm, prends les livres du Rav Eliyahu d'Esther. Commence à donner une connotation juive à ta vie. C'est pas le couscous qui donne, c'est pas le maclin. Ça peut aider à. Ah, c'est Shabbat, oh, c'est bon. Alors on joue à Ashkob? Tu dis, ah, c'est Shabbat, comment on joue à ce groupe? On joue au Rami? Tu dis, viens dire, c'est Shabbat, il y a deux minutes. C'est quoi, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Chlet, à l'écrit, là, Tzadik. Chlet, à l'écrit, là. Ishta bar Shemo. Avec quoi tu joues maintenant? Il y a un rôle. Yahoul. Est-ce que vous avez compris, Tzadikim? En réalité, c'est ça notre rôle. C'est ça la joie qu'on doit avoir. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un a entendu 5 minutes ce qu'on a parlé sur le peuple d'Israël avec ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes des assassins, nous sommes des machins, nous sommes des chablim, nous sommes... Il n'y a pas une médina, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation qui nous aime, qui peut sentir notre parfum. Personne. On n'a que lui, Tzadikim, on n'a que lui. L'osom chim al afechad, afechad, afechad. Lo al hayalim, velo, velo, velo. Lo al bibi, lo al baba. Et là, viens, on se colle à lui. Viens, on montre qu'on dépend de lui. Viens, le monde entier, il pourrait nous tuer, il pourrait nous exterminer, ils le feront. La France, les premiers, ils l'ont fait avec les 6 millions de juifs qui sont partis. Ils ne les ont pas donné la bovedib. Ils nous font des grands sourires. Ils marchaient, même des ikhram. Vous avez oublié? Comment on peut avoir des amis goy? Ça n'existe pas, ça dit Kim. Tout ce qui n'est pas juif, t'as compris. Je ne l'ai pas dit. C'est pas chaud. Maintenant, viens prendre ton rôle, Sadik. Commence pas à bailler dans une synagogue. Commence à te réveiller. Commence à te donner les moyens. Commence à venir avec joie. Commence à donner un parfum à ta vie. Donne, rentre. Il a dit, Rabbi Israël, Israël qui vient pas, je ne sais pas pourquoi, il a dit, faire descendre la divinité dans nos maisons. Amen, la divinité dans nos maisons. Fais que dans nos maisons, il y a un parfum de Kdusha, de Tahara. Commence à donner une vie juive. C'est pas le foulard, c'est pas le chapeau, c'est pas la barbe. Ken, vous savez ce qu'il a dit tout à l'heure, le Rav? Rav Vito, j'étais en train de lui demander, on avait un problème d'Alacha. Je vous dirai pas c'est quoi l'Alacha, bien entendu, parce que c'est le problème. On a un problème d'Alacha. Il dit le Rav comme ça. Il est parti dans sa fonte. Vous écoutez bien les dames, ça fait peur. Il est parti dans sa fonte juste après Pessah. Et vous savez très bien les lois, que après Pessah, si on rentre dans un magasin, il faut acheter quelque chose. Il faut savoir s'il a vendu son Khamès ou pas. S'il n'a pas vendu son Khamès, on n'a pas le droit d'acheter chez lui. Et le Rav, il est regardé comme ça, et son fils, il est petit, il a 5 ans, il a dit, je veux une glida. Il a dit, on va regarder, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, Michirat Khamès, Michal Khamès. Il dit, il n'y a pas de Michal Khamès, quoi, ils n'ont pas vendu. Il était dans le saphon, avant de rentrer, comme ça, on est en train de parler. Il me dit, Rabbi, voilà, sort. Il dit, j'ai vu un mec avec une kippa et une barbe, la barbe de leur mère. Il était devant son magasin, il a dit, ah, Baruch Hashem, un religieux. Il vient, il regarde, il y a des glaces. L'enfant, il regarde les glaces et le père, le Rav. Et vous avez le Heter Mechira, vous avez la Mechira de Khamès, vous l'avez? Mais bien sûr, monsieur Rabin. Bien sûr. Pourquoi vous ne l'affichez pas? Il lui dit, je l'ai. Il va ouvrir le tiroir et il lui donne. Et voit le Rav, Mechira de Khamès, 1982. Et le Rav, il vient, il fait... Parce que le Rav Vito, je ne sais pas si quelqu'un connaît,
jamais écrit, jamais il ose la voix. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a, je ne sais pas, le jour où j'arriverai comme lui, ça voudrait dire que j'aurais fait Tchouba. Il regarde, il dit 1982, ça fait quelques semaines qu'ils sont passés. Et le monsieur, il regarde, je vous parle sérieusement, il regarde, il dit, mais j'ai vendu mon Khametz. Il ne savait pas, le monsieur, en faisant l'or au maire, en ayant un qui prend sur la tête, il ne savait pas que le Khametz, ça se vendait chaque année. Que ça se vendait chaque année. Et il regarde, il y a un magasin, et les gens, ils achètent chez lui depuis combien, 1900 jusqu'à maintenant, ça fait combien de semaines? Les gens, ils ont acheté chez lui, et toi, tu regardes, tu vois avec la barbe, tu vois avec une kippa qui te dit, il est religieux. Et quand Rav, il lui a dit, mais monsieur, vous êtes... Ah, je ne savais pas. Il a dit, il était tellement honnête, tellement honnête, tellement tu voyais que c'était de la tmimout, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chérie, on est sauvé, il y a un magasin. En mechirat chametz. En mechirat chametz. Alma tismoch. On arrive en Israël, écoutez bien, ça décrète quelque chose qui est merveilleux. Il y a un magasin qui fait des promotions sur la viande, à Ravoubli. Venez, 20 kilos, 20 shekels le kilo. Ça vaut 60 shekels. Je vous donne l'exemple parce que je ne connais pas les prix, moi. Viens, on va acheter. Tous les Français à l'époque, tous les Français, viens, on y va. Où c'est? À tête, là-bas. Tu te rappelles? Peu importe. Venez, j'arrive devant le magasin. Je regarde, il est où le papier de Hershir Tzadikim? C'était tous des Français, hein? Je me dis pas des... Où est le papier de... Alors il me dit, voilà, c'est marqué. Je regarde, il est marqué. Écoute bien, toutes les boîtes de conserve, que le rapport de la conserve avec la viande? Il a collé sur la fenêtre, le papier comme ça, les boîtes de conserve et les trucs qui viennent de tel Khevra, Osem ou de machin. Ça, je te crois. Mais où est le papier de la viande, qu'elle est halal, qu'elle est cachère, qu'elle est... Il n'y a pas de papier. Ils ont tous acheté 20 shekels. C'est dommage, t'as payé cher, tzadik. T'as payé cher. Il n'y a pas d'air cher. Tous qui sont enfuis, ils ont mis un papier à l'extérieur, ils sont rentrés. Je ne parle pas de Mechirat Khametz ou de... Comment ils ont acheté 20 shekels. Ils ne savaient pas ailleurs. Malasot, tzadik. Et l'autre, il me dit, mais chez moi, tout est cachère. Sur quoi? Sur quoi on... Ken, est-ce que quelqu'un a une autre question? J'étais trop dur ce soir, non? Pas shoot? Ken, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de... Ken, vous êtes donné des kochotes. Que Dieu vous protège et que ce soit Chag Sameach, qu'on ait en Kabbalah Tatora Tzadikim, Bezrat Hashem, qu'on fasse une tchouva sincère, entière. Bravo! Shabbat, comme il dit, vous donnez-vous? Ken, il y a cours à 5h jusqu'à 6h.